Salut la communauté YouTube, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé une bonne journée. Et aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et dans le sujet d'aujourd'hui, c'est un sujet qui pourrait intéresser pas mal de personnes, notamment les personnes qui ont du mal à prendre de la masse ou du poids en général. Dans cette vidéo, je vais te parler des différentes techniques que j'ai pu appliquer depuis que je pratique de la musculation pour prendre de la masse, car ça reste l'un de mes objectifs encore là aujourd'hui. Et en même temps, ça pourrait aider éventuellement les personnes qui ont du mal à prendre de la masse. Pour pouvoir prendre de la masse, il y a un principe de base à respecter et c'est d'être en surplus calorique. C'est-à-dire qu'il faudra que tu manges plus de calories que tu n'en consommes, c'est aussi simple que ça. Donc ça va joindre le premier point dont je voulais te parler aujourd'hui et c'est de manger plus. La plupart des gens qui veulent prendre de la masse et qui n'y parviennent pas pensent qu'ils mangent beaucoup, mais dans les faits réels, ils mangent pas assez. Parce que quand tu as un métabolisme rapide, tu brûles beaucoup de calories, même en étant au repos. Donc pour pouvoir prendre du poids, tu vas devoir manger en conséquence. Et ça risque d'être un petit peu compliqué au début, parce que ton estomac va vite être plein. Et d'ailleurs, je suis passé par là aussi, et je me souviens dans mes débuts, quand j'ai commencé la musculation, quand je voulais prendre de la masse, je devais vraiment manger beaucoup pour prendre de la masse, même si j'ai pas de base, j'ai pas vraiment un métabolisme rapide. Je me situe entre le métabolisme moyen, on va dire que c'est le meilleur. Mais malgré ça, j'avais quand même du mal à finir mes repas. Mais au final, avec le temps, ton estomac va s'habituer et ce sera de moins en moins difficile de manger. C'est pour ça que pour les débuts, je vais plutôt te conseiller de manger des aliments qui ne sont pas très volumineux dans l'assiette, mais qui sont très caloriques. Comme par exemple les lipides. Parce que 1 gramme de lipides, ça correspond à 9 calories. Et donc, comme tu peux le constater, en consommant des lipides, le nombre de calories peut monter très facilement. Comme par exemple les amandes ou les autres types de noix que tu peux consommer en collation. Tu as aussi le beurre de cacahuète. Tu as aussi l'huile d'olive que tu peux ajouter dans tes plats pour les assaisonner, par exemple. Ou notamment l'avocat, qui c'est un très bon aliment de manière générale pour la santé. Et c'est aussi riche en lipides, donc ça va te permettre d'augmenter tes calories. Ce genre de petits trucs et astuces, ça va t'aider à augmenter le nombre de calories sans trop remplir ton estomac. Une autre chose que tu peux faire aussi, ça va être d'augmenter le nombre de repas que tu consommes par jour. Si tu avais l'habitude de manger 3 repas par jour, passe à 4. Si tu vois que 4 ça marche pas, tu passes à 5. En faisant ça, tu vas considérablement augmenter le nombre de calories et ça va aussi te permettre de mieux réguler et répartir tes repas. Il y a aussi un autre type de repas qui fonctionne bien, enfin, je dis un repas, mais c'est plutôt un gros snack, et c'est le gainer maison. Moi, personnellement, je suis un grand fan des gainers maison parce que ça va vite à préparer, c'est sain, et tu peux très facilement l'adapter en fonction de tes objectifs. Tu peux facilement faire des gainers maison très caloriques en mélangeant plusieurs ingrédients, et vu que c'est mixé, que c'est en forme de smoothie, c'est très facile à consommer, c'est très facile à manger, et tu peux facilement atteindre 600 à 700 calories pour un smoothie. Il y a quelques mois, justement, j'avais fait une vidéo à propos de mon gainer maison, donc elle va apparaître en haut à droite de l'écran, donc n'hésite pas à aller la visionner si jamais tu as envie de t'en inspirer pour créer ton propre gainer. Il y a un autre point aussi dont je voulais aborder et c'est les gens qui disent « Ah dans ce cas-là, je vais juste manger McDo et pizza tous les jours pour prendre de la masse. » Malheureusement, c'est pas aussi simple que ça. Parce que là, je vais t'arrêter tout de suite. C'est vrai que ce sont des aliments très caloriques et qui peuvent te faire prendre du poids, mais ce ne sera pas une prise de poids ou une prise de masse qualitative. Parce que quand tu manges des aliments de fast-food, des pizzas, des glaces, etc., ce sont des aliments qui n'ont pas un bon apport nutritionnel et de mauvaise qualité. Du coup, tu risques d'être en carence de vitamines, de minéraux, mais aussi d'autres macronutriments, ce qui te causera des problèmes, notamment des problèmes de santé, mais aussi des problèmes au niveau des performances et une baisse d'énergie de manière générale. Mais je ne dis pas non plus qu'il faut bannir la malbouffe à 100%, surtout pour les gens qui ont du mal à prendre du poids. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il faut que tu aies au moins 75 à 80% une diète saine avec des aliments de bonne qualité et les 20 à 25% restants, tu peux te faire plaisir en faisant un ou deux cheat meals par semaine, ça va pas être la fin du monde non plus.
Ce qui nous mène à la fin de cette vidéo, j'espère en tout cas que les petits trucs et astuces que je t'ai partagés dans cette vidéo vont t'aider à prendre de la masse. Si tu as aimé cette vidéo, ben, n'hésite pas à me le laisser savoir en laissant un commentaire juste en dessous, mais aussi en likant, partageant et en t'abonnant, c'est vraiment une grosse aide pour le développement de cette chaîne. Et quant à moi, ben, je vais te dire à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut !